3. Eh bien, pourquoi suis-je revenu en ce 13 août ici au Puy, alors que je suis maintenant depuis plusieurs mois évêque de Versailles? Eh bien, tout simplement parce que on m'a invité à venir pour cette grande fête où on célèbre le titre de basilique mineure qui est attribué donc à l'église du sanctuaire Saint-Joseph de Bon-Espoir. Alors, il est vrai que j'étais un de ceux qui a travaillé au dossier qui a proposé aux évêques de France de voter, ils ont voté à l'unanimité pour que ce titre soit attribué, qui ait suivi le dossier avec le père Olu, le recteur du sanctuaire. Et donc pour moi, c'était aussi une grande joie de revenir au Puy, de croiser beaucoup de regards et de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai travaillé, dont j'ai fait la connaissance au cours des dernières années. Et j'étais heureux de participer à cette joie, je crois, importante du diocèse. C'est la troisième basilique pour le diocèse du Puy, après Brioude, après Notre-Dame du Puy et maintenant Saint-Joseph de Bon-Espoir. Alors voilà, comme évêque, j'aurais apporté ma petite pierre au cours de mes 6 années au Puy pour que ce sanctuaire devienne basilique mineure. Alors pour moi, c'était un bel événement et une grande joie.